Il est hors de question que je meure là. Kenedou, ça va? C'est bon, le combat il est fini, tu vas t'en remettre. Allez putain, on se tire. Et vous savez quoi? Le lance-missile, ça va être utile, je le sens. Il y a un truc de l'autre côté? Non. Allez, vite, allez en face. C'est sûrement pour désattirer les tourelles. Mince. Ouais, parfait. Commande des tourelles. Désactiver. Je suis désolé, mais c'est bien trop calme. Je peux pas... Parce que c'est juste devant mon objectif. Au pire, j'ai le lance spécial. Oh putain. Allez. Merde. Fais chier, ils savent où je suis, ils savent que je me rapproche. Putain, mais ils sont où? Mais ils tirent où? Ah putain, ils étaient là. Allez, artilleur légendaire. Non. Yes. C'est à ça que ça sert le SAV. Allez, Kanigou, tranquille. Hein. Tout le temps, tranquille. On a encore le temps, c'est bon. Oh putain. Vite, faut monter. Là, ça va chier. Mais je croyais que je me rapprochais. Pas que je m'éloignais. Ah, mais c'était là qui me tirait. Ok. Ah, le bon vieux piège. Si ça se trouve, en fait... Oh, le deuxième bon vieux piège. Ok, ça c'est cool. Discrétion, c'est mon rayon. Ah. D'accord, il n'y a rien. Porte avancée. Il y a sûrement un truc intéressant derrière cette porte avancée. Que j'ai ouvert très facilement. Fallait pas me chercher. Mais contre quoi ça se bat ce truc? Allez putain, le terminal, il doit y avoir un truc. Les tourelles, je suis con. Désactiver un piège, je m'en fais repérer. D'accord, ok, je vois en fait. Pas que c'est un lance-roquette qui le tient. Le dernier, il doit être dans les environs. Heureusement que le SVAV là, il existe. Hein. D'accord, plus rien dans les environs. L'ascenseur est là. Kanigou régène de la vie, donc en gros, il n'y a plus d'ennemis menaçants dans les environs. Faudra vraiment que je repasse ici pour récupérer tout ce que j'ai pas pu prendre. Hein. Bon allez, direction ascenseur, on va voir. On va voir où ça nous mène tout ça. Je sens la... D'accord, des projecteurs, hein. Évidemment. Non, putain, Kanigou, non! Reviens! T'es con ou quoi? Les projecteurs s'éloignent. Impossible de pirater ça. Merde, merde. Kanigou, reste pas là! Putain, Kanigou! Oh merde. On m'a demandé un monstre code pour pouvoir accéder là, mais. Réacteur à fusion, c'est peut-être ça là qui trouvait important pour là. Non, bon, c'est pas grave. Bon, on se rapproche. Je sens qu'il est pas très loin. Ah bah, il est juste là. Putain, je. Ouais, j'aurais pu m'en passer. D'accord, tout se passe derrière. C'est parti! Non, pas très loin. Alors, c'est pas loin que ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi, hein? Vous êtes ici pour la synthétique. Quelle synthétique? Quelle synthétique? Si vous n'êtes pas là pour la synthétique, c'est moi que vous voulez. Alors, de quoi s'agit-il? Oh, putain. Qui est cette synthétique? On va détourner l'autre truc, hein? Qui? Cette synthétique. C'est une fugitive, propriété de l'Institut. Je dois la désactiver et la ramener. Quant à vous, vous allez mourir comme tous les autres. Allez, faut en profiter pour essayer de défoncer un maximum. Allez, un coup critique. Yes, ça marche bien. Ah mais j'ai oublié que c'est des putains de cheaters, eux. Ah, on va voir si tu fais ton malin avec ça.
Ah, je vais pas te laisser vivre. Putain, c'est... Il est bien ce fusil à pompe finalement. Ah, c'est elle la synthétique. Voilà, j'ai ta putain de puce, couillon. Je vous promets de ne pas filer. Le garde a mis le mot de passe dans une boîte à outils, sous l'escalier là-bas. Utilisez-le pour accéder au terminal et ouvrez la porte. C'est trop bien protégé. D'accord, ok. Bon, on va aider cette demoiselle, mais... Il est dans la boîte à outils, sous l'escalier. D'accord, la boîte à outils là, donc. Ah, je sais pas... Tu me promets de pas me la faire à l'envers, hein. J'ai pas envie de regretter de te libérer, hein. Pas, s'il te plaît, me fais pas regretter ça. Merci. Je ne sais pas quoi dire. De rien. Alors ne dites rien. Il n'y a pas. Ça m'a fait ce plaisir. L'institut m'a donné le matricule K198, mais je préfère Jenny. Je suis une synthétique, au cas où vous ne m'auriez pas remarqué. Je savais qu'ils allaient m'envoyer un chasseur, mais je pensais pas qu'ils me retrouveraient si vite. J'aurais sûrement réussi à lui échapper. Ah, donc t'es une synthétique. C'est elle la synthétique en question. Mercenaire. Vous connaissez la suite. Encore merci pour le coup de main. Je vais essayer de récupérer du matériel avant de partir. Et au cas où vous vous poseriez la question, non, je n'ai plus besoin de votre aide. Le Commonwealth, c'est tout sauf un camp de vacances. Je dois apprendre à m'en sortir toute seule ou je suis fichue. On se reverra peut-être, dans les meilleures circonstances. J'espère. Ouais. Donc en gros, si elle se trouve, elle va prendre la moitié des trucs que j'ai besoin. Mais là-haut, il y a un escalier, et puis ça m'intéresse. J'ai pas envie de me barrer comme... Ouah, un fat man. Oh, merde, j'ai trop de trucs. Je vais déposer un truc là-dedans, alors. Hein. Il doit y avoir un terminal pas loin. Bah, ce terminal. D'accord, j'arrive à Cambridge, mais de quel côté? Ah, d'accord, j'arrive sur le toit. Une cellule à fusion et un médecin mort. Putain. Ah, moi je voyais pas la ville comme ça en fait. Oh putain, ta gueule, je peux les dégommer à distance. Alors, allez, on teste. Génial. Ah mais en fait il y en a partout en fait. Bon allez, sans tomber. À part attirer l'attention en fait ça sert à rien. Mais c'est en fait ça, c'est juste pour avoir cette vue, mais je trouve cette vue magnifique. C'est, tu vois quand même à quel point c'est putain, c'est post-apocalyptique. Bon, retournons dedans et finissons cette mission. Hein. Donc en fait, en récapitulant, quand je suis rentré dans ce véhicule, bah il y avait l'autre qui était déjà rentré. En gros, les militaires que j'ai tués, c'était des pauvres militaires innocents. Qui faisaient juste leur travail, c'est défendre ce truc. Ou plutôt défendre la synthétique. Donc je regrette. Et faudra pas que j'oublie de repasser ici, récupérer tout ce que je peux. Et tout ce que je peux. Bon, ma mission suivante, il est 5h13 du matin. Et ma mission suivante, c'est d'aller analyser cette puce. Moi, ce que je vous propose, c'est que je vais vider mon inventaire, refaire un peu mes stocks, récupérer tout ce qu'il y a là-dedans, dans ce bâtiment, parce qu'il est bourré de ressources. Et puis, on se retrouve pour la prochaine mission. Allez, à toutes. Donc, nous revoilà au truc là où je suis, là, truc de base, là, ma ville de base. Donc, j'ai fait mes petites templates, j'ai aussi changé un peu de style. Ouais, j'ai trop de swag, j'ai même des lunettes de sommeil, je suis un total chasseur, je crois qu'il s'appelle comme ça. Bon, on va se rendre directement sur place, là, pour voir la suite et ce qu'ils vont dire de notre petit truc.
Alors, déjà, c'est là-bas. Je connais pas la confrérie de l'acier personnellement, mais je crois pas une seule seconde à leur connerie de... J'ai pas assez de cam ou d'alcool. Donc, on va voir ce que le docteur va nous dire, hein, après avoir passé la courtisane. Putain, j'espère qu'il va nous donner de bonnes nouvelles, hein, ce serait con, hein. Ravi de vous revoir. La mère luminescente, Virgile, qu'est-ce qui s'est passé? Un gros bordel. Vous savez comment décoder une puce de chasseur? La puce d'un chasseur? Vous avez combattu un chasseur? Et je l'ai tué. T'as vu ça? Malheureusement, je ne peux pas vous aider. Quoi? J'ai travaillé sur pas mal de synthétiques, mais jamais de chasseurs. Je ne sais rien de ce genre de puce. Oh putain, commence pas. Comment les décrypter? Par contre, il y a des gens qui le savent peut-être. Bah oui. Je travaille avec un groupe. Disons que ce sont les seuls que je connaisse qui pourraient tenter de pirater les protocoles de sécurité de l'Institut. On les appelle le réseau du rail. Car... Oh, je les trouverai. Très bien. Je les trouverai. Eh, mais j'ai trop de swag, hein. T'as vu ça? Et désolé de ne pas pouvoir vous en dire plus. Pas grave, j'espère t'inquiète. Que vous réussirez à démêler tout ça au fur et à mesure. Donc, faut se rendre au réseau du rail. Ils ont dit suivre le chemin de la liberté. Je dois trouver le chemin de la liberté, mais ça doit pas être très dur. Alors, ils sont dans une zone pas très loin d'ici. Putain, il y a déjà des ennemis. Je viens à peine d'arriver. Voilà, tu m'embêteras plus longtemps. Putain, mais je croyais que je les avais déjà tous liquidés. Combat au corps à corps. Mais ça balance des grenades à fond là. Mais il est où? Putain merde, j'ai vu. Merde. Presque. Allez, arrête de bouger. Voilà. Voilà. Au moins, eux, c'est fait. Oh, ça me fait chier de ramasser leur... J'ai pas envie de me faire chier à ramasser leurs déchets. Oh putain, il est là, là. Il y a un... Ça veut dire quoi ça? Là-dedans. Bonjour. Oh bah ils sont là-dedans. Et... Ah. Un genre de code. 7A. La journée de la lanterne. Putain mais c'est quoi ce truc? Ah c'est possible que le jeu il rame. Hein. J'ai d'autres programmes qui tournent en fait en même temps. En parallèle. D'accord, ok, il nous a dit de suivre la ligne rouge. Mais non, ça c'est le truc qui fait le tour. Ça peut pas être ça, non? Non? Ah, la ligne rouge. Il doit y avoir une ligne rouge là, un peu partout. Oh putain. Mauvais endroit, mauvais endroit, on se tire de là. Putain, c'est quoi ce swam? Putain de merde! C'est quoi ce monstre? Allez, viens, Canigou, on se tire de là! Eh, mais c'était violent, c'était quoi ce truc? Eh, j'ai trouvé un. Non, ça peut pas être là. Peut-être une prochaine fois. Swan, putain, mais là, il faut. Eh mais je trouverai jamais cet endroit. Eh mais je suis en train de périr là. Alors en admettant que ça soit la ligne rouge, je doute fort que ça soit les rails du train. D'accord, je crois qu'ils vont en fait suivre ce truc parce qu'il semblerait que ça soit une suite, ça soit un code, une énigme. Énigme plus qu'énigme. Deux et... Oh putain. Ah. Ok. Il doit y avoir une suite ou deux. Eh, hey, il y a un cadavre là. Ok. Eh, hey, mais c'est quoi ce... Waouh. Putain, il y a des trucs qui lâchent des fois, ces gars. Franklin, ok, d'accord. Jusque là, j'arrive à capter. Il faudra juste que je continue. Il y aura sûrement... D'accord, il m'a toujours pas vu. Mais ouais, j'ai perdu les traces du truc en fait. Putain, j'entends des bruits un peu de partout, mais ça doit venir de là. Je sais pas d'où ça vient.
Ça m'énerve. Il va falloir que je passe ce truc. Putain, il s'est fait choper, il fait chier. Allez. D'accord, il semblerait que les autres super moutons m'ont pas attrapé. Est-ce que je... Allez, je peux quand même récupérer ces trucs. Tant qu'il m'a pas vu, je m'en fous. Moi, je vais continuer... Tant qu'il m'a pas vu, je m'en fous. Je vais continuer tout droit. Donc alors, si on continue le long de cette espèce de chemin de fer... Enfin, de ligne rouge... Ah, un autre indice. Et maintenant, un 6 et un O. Je crois que c'est des coordonnées ou peut-être c'est le début d'un lieu. Mais je dirais plutôt le début d'un lieu. Bon, j'ai fini de télécharger ce que je devais télécharger. Ça peut bugger. Donc la suite, ça doit être par là. À première vue. Non, je vais peut-être pas tenter le diable. Peut-être là, c'est mon dernier indice. Oh putain! Faut pas que je retire dessus. Je suis désolé, fallait pas que je retire dessus, sinon je risque d'attirer l'attention. 3i. 3i. D'accord, ce lieu je l'explorerai une prochaine fois, hein, vous retenez. Hein. D'accord, je dois contourner, donc moi ça m'arrange. Hein. Perso, ça m'arrange si je dois contourner le truc. On va continuer dans cette direction, hein. Il y a forcément... Est-ce que ce serait pas là qui serait? Putain, il y a une brute. D'accord, je vais me débarrasser de la brute. D'accord, si je sais créer attention, il y a peut-être une brute dans le coin, mais au moins... Putain, lui, il a pris cher, hein. Putain, malus mutant. Je suis en danger, ça veut dire qu'on m'a vu. Ah putain, c'est lui. Non, putain, merde. Voilà, lui au moins son lance-roquette. Putain, lance-roquette en mode tu sais. Il est où le down? Oh putain, il m'a eu au lance-roquette. Oh le bâtard. Putain, j'ai la haine, je recommence depuis là. Bon, bah on se retrouve dès que j'arrive vers la fin. Hein. Voilà, Oh putain, j'ai cru que je les avais tous butés. Ah, ça sert à rien que j'arrive, j'arriverai jamais à le choper à cette distance, non. Voilà, on n'a pas réussi à trouver le deuxième indice. Le troisième, il semble qu'il... Oh putain, il va derrière le bâtiment, je sens que ça va être de la merde. Je sais pas vous, mais je sens la merde arriver. Pas vous. Voilà, vous voyez ça? Ça veut dire qu'on est sur leur territoire. Y a quelqu'un ? Putain, mais lui, c'est un kamikaze ! Cours, 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 cours ! Putain, mais qu'est-ce que c'est? Bah putain, il a tout, il a pété tous ses potes quoi. Bon, c'est radioactif, peut-être pas une bonne idée que je vienne. Donc continuons à suivre cette ligne rouge. Je le savais.